il n'y a rien qui s'est passé. Donc voilà. Amen. Si tu attends un mariage, tu t'attends à être épousé ou bien à te marier, qui est un signe, c'est un nom de Jésus. Amen. Maintenant, allons débat. Mais le Mephibosheth avait perdu sa destinée à cause des circonstances. Mais un jour, il a entendu l'hélicoptère de David. L'hélicoptère est descendu à l'Odébar. Il s'est fait dans l'Odébar, tout le monde s'est dit, au lieu de venir chercher Guy. En fin de compte, c'était Mephibosheth. Tu es Mephibosheth, c'est très bien. La faveur de rencontrer cette année. Ça, c'est le message que Dieu a donné à vous transmettre. Quelle que soit la circonstance, la faveur va atterrir dans ta vie cette année. Dieu a été délivré. Tous ceux à qui t'ont appelé le matin, les stériles, ils vont s'étonner. Cette année, Dieu va étonner tes adversaires. Cette année, Dieu va étonner ta femme. Tous ceux qui t'ont rejeté vont t'acclamer cette année. C'est une année de la restauration pour toi. Amen. Tu auras la faveur, tu auras la promotion au travail. Cette année, c'est une année de faveur. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à ce qui t'arrive. Ne regardez pas à ce qu'on t'a dit. Mais écoute ce que Dieu t'a dit. Amen. Il sera avec toi. Amen. Quel que soit le problème, ne perds pas courage, ne perds pas la foi cette année. Mais aie confiance en l'Éternel. Mais je fais Mephibosheth. Il a fini par entrer dans la maison royale. On avait dit qu'il était le vainqueur. On a vu des gens qu'on avait dit qu'ils ne pourront jamais se marier. On les a vus se marier. Dieu a la grâce suffisante pour ton problème. Même si on a dit, ne soyez pas comme magnifié un temps, quand on était en train de refouler les Sénégalais, tous les Congolais avaient peur. Je leur demandais, vous n'êtes pas des Sénégalais. Vous êtes en train de refouler des Sénégalais. Mais comment les Congolais tremblaient? Amen. Vous êtes des Mephibosheth. Mephibosheth appartenait à la classe royale. Il avait la faveur, il avait la promesse. C'est pour te dire que si tu as la promesse de Dieu, même si on est en train de refouler, on ne va pas refouler la promesse de Dieu. Amen. Il y a un comédien qui a dit à l'époque, il dit, si je me plante là, qui peut me déraciner? Amen. Vous connaissez du coulis, non? Moi, quand j'avais entendu ça, ça m'avait intéressé. J'ai dit, c'est une prophétie. Si je me plante là, qui peut me déraciner? Bon, toi, tu comprends ça avec Dieu. Si Dieu t'a planté ici, qui va te déraciner? Les gouvernements vont passer. On ne peut pas déraciner la promesse. Ouais. Les lois seront modifiées. Ton cas, c'est un cas de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui décidera. Amen. Les conseils. C'est David. Il y avait la loi d'Israël. Et le boiteux n'allait pas entrer dans la cour royale. Mais elle a été modifiée. Parce que c'était la parole de Dieu. Dieu connaît comment restaurer ta vie. Quel que soit le problème. Je connais un jeune homme à Rouen. Un jour, il est venu me voir au travail. Il m'a dit, on va le refouler dans 2-3 jours. Je lui ai dit, frère, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Moi, j'appelle à ce que tu restes dans ce pays et que tu sois prospère. Je lui ai dit avant 2 jours que dans 2 jours il y aura une bonne nouvelle. Tu seras resté. Le Seigneur va changer la préfecture de la vie. Il a dit, ah, c'est trop tard.
Le conseil d'État a rejeté. J'ai dit, mais Dieu n'a pas encore rejeté. Je lui ai dit, ainsi dit l'Éternel, dans 2 jours. Et dans 2 jours, la préfecture a écrit, ils ont renoncé. Aujourd'hui, c'est ma écoute. Vous la foule à moi. Chaque année, il a des enfants. Frère, Dieu est réel. Dieu est réel. Mais Mephibosheth n'avait pas rêvé un jour qu'il mangerait dans le palais royal. Où il habitera? Mais il est habité parce que c'était la faveur de Dieu. Tu es limité. Tu es débordé même dans tes pensées. Mais je vais te dire, la grâce est au-dessus de tes débordements. Ce que tu ne connais pas de bien, c'est ce qui va arriver sur ta vie. Amen. Ce que tu ne connais pas de bien, c'est ce qui va arriver cette année. On va te proposer des travaux que tu n'avais jamais pensé que tu travaillerais ensemble. Imagine que tu n'as pas fait les cours d'être assistant social, mais tu seras assistant social cette année. C'est la femme de Dieu. Paul a dit, est-ce qu'on peut célébrer? Paul a dit, attendez, vous allez chanter. Vous allez chanter, je vais finir aussi. Il a dit, tout don parfait, tout est grâce excellente. Et il a ajouté que toutes nos capacités viennent de Dieu. Dieu peut te rendre capable à te retrouver à l'Élysée. Vous ne dites pas amen parce que vous n'aurez pas ces choses. Alors moi, depuis cette année, j'ai commencé à croire. Le même Dieu qui a tout fait, que je n'avance pas dans les études, j'avais commencé l'université à une année et demie. On a arrêté mon papier pendant 4 ans par le préfet. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je n'étudie pas. Mais aujourd'hui, tous les égaux de ma génération, c'est le bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10. Mais j'ai compris une chose. Ils ont des problèmes. Il fallait bac plus 1 et demi pour prier. Des fois, quand je vois un médecin qui n'avait pas d'enfant, un ami, bac plus 8 ou je ne sais pas, 9, le jour où je l'ai vu s'agenouiller devant moi, j'étais malade. Bac plus 1 demi, prier pour bac plus 9. Quel écart? Mais parce que c'était un regard tout simplement. Nous ne méritons pas ces choses. Un jour, j'ai rencontré le directeur d'une grande compagnie aérienne dans notre pays. Il s'est mis à genoux. Il avait un problème de cancer au cou. À l'instant, j'avais posé le mal, à l'instant, il était guéri. Amen. J'ai dit, mais Dieu merci. Si Dieu t'a mis à le départ, c'est pour que tu vives la visitation divine. Aujourd'hui, tu n'as pas de témoignage. Et tu témoigneras dans les jours qui viennent. Dieu enverra son hélicoptère à le départ. Dieu me fera sortir de la prison. Un bon matin, Joseph ne savait rien. Mais un bon matin, Joseph s'est retrouvé premier ministre à l'Égypte. Un bon matin de 2012, Dieu va te donner. Je te demande de donner ce peuple au-dessus de toi. Je te demande de les toucher. Je te demande de les visiter cette année, Seigneur. Seigneur, tu as promis que tu remplaceras les années qui ont été dévorées par les sauterelles et les cerfs. Seigneur, je te demande la grâce de les accompagner comme un Mephibosheth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que les stériles expérimentent la maternité cette année. Oh, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, celui qui à Sarah dit, que celui qui fait la promesse est digne de confiance, que cette année rencontre ce peuple.
Seigneur, donne les papiers à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de se marier cette année? Levez les mains là où vous êtes. Et si tu as un problème quelconque, lève aussi la main. Dieu, qui m'a donné le mariage dans ce pays, va toucher ta vie. Le Seigneur est en train de débloquer une situation financière également. Que ce Dieu-là visite ta vie. Quelqu'un est venu triste là. Je sens la tristesse dans mon cœur. C'est ta prière. Je vais te dire une chose. Regarde Dieu. Quelle que soit ta tristesse, de ce qui ne va pas dans ton couple, c'est une circonstance. Et tu vivras la faveur de Dieu cette année. Père, agis avec tous ceux qui ont levé la main. Afin que leur fils, Seigneur. Père, ils témoignent cette année ta faveur, ta grâce que toi tu fais. Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par grâce. Ils sortiront de leur lot de bas, de leur maison saine, de leur maison de la servitude, Seigneur. Seigneur, tu les amèneras dans la maison de la gloire qui est ta maison, Jésus. Fais-les sortir de la maison de ma quille. Seigneur, c'est le temps de la délivrance. Libère-les au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais vous dire une chose. Il y a une personne. Il y a une personne qui est sous l'oppression de la sorcellerie. Il y a une personne que sa famille ne veut pas qu'il avance. C'est une sœur. Mais je vais te dire, de la part de Dieu, tu avanceras. Toute arme, toute la sorcellerie, toute arme forgée contre toi, elle est sans épée. Dieu te fera avancer. Et c'est toi qui vas les aider. Il y a une personne, une sœur, qui est sous l'oppression de la sorcellerie. On a tout bloqué dans ta vie. Dieu va te bloquer. Je ne veux pas savoir qui tu es. Mais sache que Jésus te connaît plus que moi. Dieu est avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as aussi beaucoup pleuré. Un des signes, tu as pleuré cette semaine. À cause de la finance qui est bloquée. Mais Dieu va essuyer tes larmes. On a un Dieu puissant. Que la main de Dieu se pose sur toi à l'instant. Et qu'il se passe des miracles sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'honneur te revienne, Seigneur. Merci pour ce peuple. Merci pour ton peuple. Lève-les. Et que la faveur les accompagne cette année. Dans tous les domaines. Merci, Seigneur. Et qu'on peut